Christophe, les régulations et la politique sont toujours les facteurs les plus importants lorsque l'on parle de la filière colza. Pensez-vous, à horizon 5 à 10 ans, que des changements majeurs puissent modifier cet environnement complexe? Oui, donc très certainement. D'abord, effectivement, l'environnement politique est vraiment une clé dans cette culture du colza, puisqu'en fait, 2/3 du colza est amené à être incorporé dans du biodiesel. Et là, on voit un changement majeur qui est en train de survenir dans ces filières, c'est la capacité à valoriser la valeur environnementale de ces colzas, notamment eu égard à leurs effets de serre. Et l'ensemble de cette problématique de réduction des gaz à effet de serre de façon à amener globalement à réduire l'impact carbone d'un carburant se traduit directement dans des pratiques agricoles, dans la traçabilité d'une filière qui est amenée à devenir une vraie solution pour la France, pour l'Europe et pour la planète en matière de réduction de gaz à effet de serre, notamment dans les transports individuels et collectifs. C'est ce qui a amené d'ailleurs le groupe Avril et CEPOL à proposer des solutions dans ce sens-là qui permettent en fait à un transporteur, par exemple, de pouvoir réduire immédiatement de 60% ses émissions de gaz à effet de serre en faisant appel à un colza durable. Très bien, merci beaucoup.